quelle heure il est, j'ai dû mettre 2-3 heures. Agathe, ouais, ça fait 2-3 heures que tu coupes AGV. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'arrête la psychiatrie. Mes petits mousses. Il arrête la psychiatrie. Écoutez pas ce qu'il raconte. C'est relou. Et allez. J'ouvre une voilerie. Par contre, mets aussi un peu du tien, là, hein, parce qu'on a trop des heures sinon. Hein. Il veut faire ça à la main. Alors, ça va, petit panard, hein? Oh là là, regardez comme elle est blessée. Bon alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Je fais un petit fondant au chocolat. Il fait tellement chaud que le chocolat, on peut le faire fondre. Ah, il est parfait, regarde. C'est je vous donnerai la petite recette si vous voulez. T'as fait quoi? Tu l'as juste mis au soleil? Juste mis au soleil, ouais. Deuxième montée au bas. Cette fois-ci, à Wallis. Non mais c'est pas genre, c'est quoi que tu fais, hein? Y'a que le mec en bas qui travaille. Regardez-moi ça, regardez. Ça c'est toujours le second qui râle. Dans la traversée, le petit Nicolas s'est mis à la guitare, s'est mis au ukulélé, mais surtout, il s'est mis au dessin. Regardez ce beau dessin du Borina, c'est comme c'est mignon. C'est beau, hein? C'est digne d'un enfant de 5 ans. Et on est allé plonger de notre côté. Saint-Christophe est tout petit. Hein, je pense. Ça va, Nico, t'es confortable là? Oh. Ah, il y
Oui. Ça y a qu'à Wally, est-ce que tu vois ça? Tu le prends pas en photo? Si, si. Donc là, on a Nenico qui s'énerve sur le moteur, qui est dehors il y a deux jours, et qui nous a obligés à revenir près du quai de Matautu à Wallis et Futuna. Et en fait, depuis un jour, il y a un bâtiment militaire qui est arrivé. Voilà le bonheur de louer une voiture à Wallis. Les routes sont tellement défoncées qu'on a crevé hier soir sous la pluie battante. Voilà, on a plus d'essence sur l'annexe, donc on est au meilleur endroit pour la refill. C'est que tu peux choper le truc d'huile. On est encore à Wallis, on devait partir aujourd'hui et en fait on a re-regardé les prévisions. Il y avait les rafales. Et surtout parce qu'on a la gueule de bois. Mais on en profite parce que le mouillage est hyper agréable, on a pu dormir, se reposer, lire, dessiner. Et demain, on refait de la voile.